La base. La base de. La base d'alimentation. De l'eau et des jujubes. Ouais. Ok. On va ben saluer tout le monde. On dans le break. Pelle la vallée, Mike Gartner, Azri Affis, Vincent Rodrigue, 6 fois. Il y en veut elle est à la McDavid. Tabarnak. Au moins on sait qu'on fouille dans bonne botte de foin. Hein? On sait qu'on fouille dans bonne botte de foin. Il faut à trouver l'aiguille, fait que. Fait que dans celle-là, ça va être notre cinquième. Derek Paradis Nouveau, hein, Bienvenue dans la famille, Charles Bélanger, Eric Blondin, Joe Croto, Anthony Marcotte, si quelqu'un me demande, hey, est-ce que tu... Euh, il est dans le break. Il est dans le break. Il est dans le break, il est pas dans le break. Il est dans le break, il est pas dans le break. Je sais pas, il est-tu dans le break ou il est pas dans le break? Devant pour wheel, le tir, on est libre et quelle chance encore! Devant le filet Caulfield qui rate un filet désert. Et Caulfield tire et le but! La machine à score et rendue à Laval! Cole Caulfield qui marque et c'est 1 à 1! Hey, si vous me demandiez, effectivement, c'est le commentateur du Rocket de euh, du euh, de, de Laval et c'est lui qui a commenté, vous avez entendu le premier but dans le, dans le pro, hein? Donc son premier but dans le pro, donc son premier match en plus son dernier marcotte, donc voilà. Donc, euh, le seul l'unique. Jean-Guy Perron, Mathieu Saint-Maurice deux fois, Serge Gagnon deux fois, Mathieu, un euh, cormier, Carl, B, Bill, euh, Charles Chamberlain. J'aimerais ça voir une aussi belle voix que lui là, mais il marche pas de même ici, marche pas de même. Max Blouin, Sonny Dubé, Xavier Desjardins, Mickaël Barrette, Gabriel Lapointe, Steve Labossière, Alex Alexandre Saint-Maurice, lui aussi, première fois avec nous, le cousin, de Mathieu, Sébastien Corre, Félix Borgard et Simon Gamache. J'ai aussi demandé trois fois si c'était le gars qui jouait pour les fourreurs dans le thème Mais je pense pas que c'est lui, que on va pas faire ça Pis en tout cas, plein nouveau nouveaux, bienvenue dans la famille Donc on roule ça, les deux Donc, et voilà On y va Yes, la grosse pub, Si la grosse pub C'était pas subtil, hein, quand je te demandais tantôt Si ton SoundCloud, tu devais t'en douter Et on s'en va voir ce qu'on a Et, oui. Oh, Alexandre est maurice qui va finir rester avec les Jets Et là, qui c'est qui va avoir, qui sait qui va avoir les Otters de Minton. C'est ça qu'on veut savoir That's what I want to know Donc là, regardez ces ici, là les Otters, ça, ça va être là qu'on va le voir Mathieu St-Maurice deux fois Qui avait deux spots, Alors, on, va faire, mais on va même mettre de la musique ici, let's go Donc, Carl B. Chamberlain, les Docs, Dan Hein, Les Coyotes à Joe Croteau-Forey, Mike Gartner Alias Air Jordan Alias Just Do It Vincent Rodrigue, les sabres, Steve Labossière, les Flames, les King Eric Blondin, Vincent Rodrigue, on peut trouver une Young Gun de monsieur, de monsieur Jack Eccole. Mm. Pas pire par tout. Ah on peut trouver... Euh, on peut trouver Theodore. On continue ça. Donc euh, les euh, Flames à Steve Labossière, Eric Blondin, les Hurricanes, les Blackhawks, à Sonny Dubé, la avalanche à Fils, Jean-Guy Payon, les Blue Jackets, les Stars à Vincent Rodrigue, Le Wild aussi, les Devils, les Islanders, les Pingouins. Et si tu sais ses spots, donc oublie pas, dans le PDK, Chris, t'as la Diamond, pis t'as l'autre. Astrafis, D'Avalange, la, As la Le la Columbus, Jean-Guy Perron, je l'ai dit, Serge Gagnon, les Red Wings, les Oilers à Mathieu Saint-Maurice, Sébastien Caron, la Floride, les Kings, Félix Beauregard, son deuxième spot à Mathieu Saint-Maurice, les Canadiens. Gros, gros brick pour toi, Gabriel Lapointe, et Prédateur, Mathieu Cormier, les Rangers, Charles Bélanger, les Sénateurs, les Fleurs, Simon Gamache, Danny Paris, Paradis sur les Roquins, je m'excuse. Les Blues, Michael Barrette, PL Vallée, Valley, le Lightning, les Maple Leafs, Serge Gagnon, Max les Canox, Anthony Marcotte, les Golden Knights, les... Capitals Xavier Desjardins, un nouveau se retrouve avec les Jets! Et on est prêt pour aller au live-scene Donc n'oubliez pas que la Diamond! Donc si vous avez pas eu les Il et regardez le team que vous avez. Puis on a aussi une série 2 là, de cette année. Thin. Donc on va changer le défilement. Donc on va checker ça. Et voilà, et voilà. Donc on va commencer évidemment avec la tin. On va enchaîner avec la retail de, euh, de 15 et 16. Ouais, où on peut trouver mec McDavid. Il y en a juste un qui peut l'avoir. Hein? Puis il reste la Black Diamond après ça. Donc, euh, moi je suis bien content. Bien content avec ça. Et on va commencer avec la Tin. Donc, il y a la pointe Nashville. juste du it. C'est vrai, la Diamond. Quelle année la Tin La Tin, c'est la série 2 de cette année. Là. Donc, euh, c'est du 2021 21 là, tout au complet sauf la 15-16. Je voulais mettre une tin. Euh, je, voulais, je, voulais, je, voulais faire, je voulais faire le break le moins cher possible à cause de la boîte de retail là. Donc euh, qui. qui quand même cher Donc, euh, Parce que c'est le genre de boîte qui se fait de plus en plus rare. Et plus est rare, plus les boîtes coûtent cher. Fait imaginez ça roule depuis 15$ 16 celui là. là. Euh, c'est On va commencer avec la petite. Euh, la petite OPC. On va aller voir ce qu'on a. On va commencer avec ça. On commence avec la on commence avec euh, l'avalanche. à Fils c'est toi qui a le premier hit. Et on parle de, de Monsieur Barham. Connor McMichael pour Washington, Xavier Desjardins. Et les Stars de Dallas qui ont une glacée donc bronze pour Ty Delandria. Thomas Harley, désolé. Pour les Stars de Dallas et c'est Vincent Rodrigue. On y va. Mais là, ce qui est excitant, c'est de savoir. T'sais, si, là, par exemple, vous participez à un break où la McDavid canvas à ça sauce quand même un moment. Même si vous n'avez pas Edmonton. Ça veut dire que vous avez participé au break, genre vous aviez vraiment une chance sur 31, donc textant quand même, là, même si. Euh, si jamais on la trouve pas. Parce qu'il y a pas mal plus de chances qu'on la trouve pas, qu'on la trouve là. Mais on peut la trouver! Pas mal plus que dans n'importe quel Board parce que c'est dans celle-là qu'elle est. Elle peut pas être dans eux autres, ça fait que. Hey, un... salut Jean, ça va bien? Donc... Euh, hey Jean, on voulait savoir si tu voulais passer en magasin. Tu avais gagné une Funko Pop l'autre jour de Wayne Gretzky. Et euh, je pense que euh, personne n'a communiqué avec toi là, à savoir si tu passes en magasin ou si on te l'a Donc, euh, si t'es capable, euh, tu peux me dire ça là, puis... Euh, tu peux me dire ça là, si tu veux. Enfin, moi, je vais le prendre note. Donc, on commence avec une petite McKenzie. Euh, Whistle pour Chicago. C'est un Quand même pas une mauvaise équipe, là. Chicago dans ce break-là. Euh, et... Marky Rookie de Marson Marchman. Dans une forme des euh, Mepolis, mais avec les, la Floride et le logo, c'est la Floride. Donc, ça s'en va à Floride. Sébastien Caron, toujours incapable de le, de le taguer. Et on commence avec une petite checklist. Donc, on va faire ça tout à l'heure hein, entre Buffalo, monsieur, euh, monsieur, euh, monsieur Rodrigue et Charles Bélanger. Donc, ça, on va falloir faire un random. Donc, là, même si on n'a pas eu Edmonton, stade là, et. Euh, les Lincousines sont deux gros noms de la série qu'on peut retrouver même dans la Diamond. Là. Donc, euh, et voilà, petite Logan de couture pour les requins. Et c'est le premier hit de notre ami des requins. Donc, son, son premier avec nous, Darek Paradis. C'est peut-être pas grand chose, mais t'as brisé la glace, mon chum. Donc euh, Bienvenue parmi nous. Et on va tout ouvrir par en même temps. Donc on, normalement, on aurait deux young guns euh, et euh, peut-être trois si on est chanceux. On a une checklist. Donc elle, elle compte comme une régulière et on va avoir un petit morceau de jersey et ça j'aime ça, rookie material. Et j'allais passer une PO Joseph pour les pingouins de Pittsburgh, Vincent Rodrigue Blue Border, Marquis rookie. Et là, on s'en va chercher, je pense c'est une portrait de Ollie Yu portrait rookie pour les Canucks de Vancouver, Max Blouin. Donc, j'ai une autre bête à faire. On a les Sharks, les requins à garder. J'aurais dû garder ça tout à l'heure, je me sens emballé, j'ai fait comme. Ah, je vais y partir la tune de Stone Cold. D'habitude, je garde ça pour les Young Guns quand c'est leur première. Attendez, attends. Ma face, c'est Stone Cold qui part, let's go. Donc, là, c'est ta première Young Gun. Là, après ça, il n'y en aura plus de tune de Stone Cold, ça le dit. Monsieur Darik. Ok, donc on y va. On va continuer ça. Et c'est ici, ce sont les cartes qu'on va regarder. On va avoir une gold. On a une Timothy Little Green pour Toronto, Serge Gagnon, mon a de chandail. Rookie un material. Donc pour les leaves, c'est de Toronto, Serge Gagnon, qui a pris de spots et sous. En dessous, on a une carte d'Edmonton. Philippe Proberg. Dazzler Gold. Rookie. Donc pour Mathieu Saint-Maurice. Et on continue ça. Je devrait trouver. je serais le fun d'avoir un autre Young Gun, mais je pense que c'est terminé. Stewart Skinner pour les orders de Minton et Mathieu Saint-Maurice, et c'est ça. Donc la checklist, c'est une Young Gun régulière. C'est compté comme ça. Et euh, la Nikolai Agnizov. Hmm? Donc, et voilà, et voilà, et voilà, et voici, et voilà. Et voilà. Donc, je rappelle qu'on est à notre break où on essaye de trouver. Mec David. Young Gun Canvas dans la Retail et c'est là qu'on est rendu. Donc, là-dedans, il peut y avoir vu que c'est une série 2. Ah, euh, oh, mais il y a des hits dans chaque paquet. À part genre 2-3. C'est pas comme la série 1 où là, il y a beaucoup de paquets qui n'en ont pas, c'est juste des bases. Là, moi, ouais, on a des OPG. Puis une OPG, là, quand même, de McDavid, David, Rookie, c'est une vingtaine de piastres, voire une trentaine de piastres, tout dépendant de celle qu'on a. Si on a la numéroté noire, là, sur 100, là, de fortune, ça, là. Parce que tout ce qui est rookie là, de McDavid, là, Incercle, là, tout au moins une vingtaine de pièces. Même sa portrait. Même sa portrait. Même sa portrait. Ok, donc là, je vais tasser mes cartes un peu pour me faire de l'espace, qu'on puisse les voir sur le podium. Donc, et, let's go. Je que vous avez souhaité à votre mère, joueuse fête des mères. Là, en fait, je répète ce que tout le monde a dit aujourd'hui, qui vous a parlé, peu importe le média, que ce soit à radio, que ce soit à télévision, que ce soit Hugo, un autre breaker, un autre streamer, c'est sûr à 100% que tout le monde dit. Mais c'est je hein, oui, tabarnak. Si rendu à 8h30, t'as pas pensé qu'il fallait t'appeler ta main ou personne t'en a parlé, je sais pas ce qu'elle fenêtre tu vis. Ok, let's go. Donc, euh, on va commencer ça. On y a la coupe 4 paquets. Et si je vois la canvas, là, pauvre. si je la vois, si je vois qu'on voit une canvas Young Gun, je vais la garder pour la fin. Okay. Je ne saurais pas c'est laquelle, mais je vais voir quand même que c'est une canvas. et J'avais oublié que c'était les pires paquets au monde. Okay. Si je déchire comme ça. Ah! Young Gun, mais c'est une Gang Gun régulière et on parle de Noah Anifin. Et ça, honnêtement. Cette, la série 2 de cette année-là, -là, tu as chez Theodore, tu euh, Jack et puis le troisième, c'est probablement Noah Annie Finn. Donc, euh, Caroline Eric Blondin, ça, c'est à toi. Tu qu'il à Calgary, là, mais ça s'en va à notre amie Caroline Eric Blondin. Et voilà. Et on va remplacer ça par ceci Caroline. Et là, on va y aller comme ça encore. J'aime bien ça faire ça. Mais ça se peut que. Je tombe sur une Young Gun Canvas et donc Andrew Cop, UD Portrait pour les Jets de Winnipeg. Donc ça c'est Alexandre Saint-Maurice, un autre nouveau galou aussi, il mérite qu'on y mette. Sa première carte parmi nous. Donc tu brises la glace. Tout est les mêmes Tout est effets sonores, là. J'aime bien ça. J'aime bien ça Ryan O'Reilly, au Donc pour les Sabres de Buffalo, Vincent Rodrigue et ça devrait être les dernières donc et voilà c'est ça les paquets sont tellement minces que les ouvrir tellement que je vais donner un petit coup puis là je vais tirer mais là ils amènent pas toutes comparé à d'habitude hmm. Ouf, je pense pas je pense pas quand j'ai fait mes recherches ben on peut te choquer là mais je pense pas qu'il est dans la série 2, sinon je l'aurais su. Je pense qu'il est peut-être même après... Euh, il est peut-être dans la série 17-18, là. Je pense qu'il est dans la 17-18, Ranton. Vous hey, vous souvenez -vous quand Jack Echo avait dit, genre, je vais être meilleur que Mike David. Ouais. Dit ça. Pis, oui, tu vas marquer tous les coins de toutes les boîtes. C'est ce que ça donne. Le coin en bas, mais c'est juste les cartes basses. Les Young guns sont belles. Tout le reste. Est toute la première première carte en haut. Young Gun. Et c'est Louis, Louis Domingue, donc, le Québécois, un des derniers Québécois gardien de but dans la Ligue nationale. Je sais même pas si cette année il y a un emploi dans la Ligue nationale. On dirait que les équipes qui l'ont veulent s'en débarrasser. À chaque fois. Il connaît des, des. Il connaît quand même des stats. Il y a des stats. Euh, Très correct, ici, qui lui permettrait normalement de rester dans la ligue nationale. Puis on dirait que toutes les équipes essayent juste de se débarrasser. Donc, euh, je Chicago qui demande s'il va avoir. Oh, une canvas. On a une canvas, mais je ne pense pas que c'est une young girl, une canvas. C'est une canvas de Ben Bishop et le Lightning de Tampa Bay, PL, la PL Valley. Donc là, effectivement, par exemple, pour euh, Anthony Marcotte, malheureusement, Washington, euh, pas Washington, mais Vegas et pas dans cette boîte-là. Donc, euh, il n'y aura pas de carte pour toi, malheureusement, dans cette boîte-là. Euh, et s'il va avoir un insomnie, il va peut-être avoir un autre break. Là. Il ne va pas d'avoir dans l'insomnie. Il est en congé à soir. Puis euh, Par exemple, prochain break dans l'insomnie, préparez-vous. Il, il y a une boîte de Joe euh, Louis à faire tirer parmi tous les participants signés en plus de Alain. Donc, Vincent Inosova pour les Blackhawks, c'est Marky Rookie au Peachy. Donc pour les Hawks Sonny Dubé. Et là... On a une canvas de Mark Giordano, Je dis canvas. Exactement. Donc pour les Flames. Donc il était capitaine. Ça fait un bout qu'il est capitaine, hein. Mais ça fait un bout qu'il comme genre. Il fait un bout il est vétéran, là. Que ça fait un bout qu'il avait 25 ans. Là. Il doit être proche. Honnêtement, il doit être proche d'avoir 40. Là. Il doit être pas mal plus proche d'avoir 40 que d'avoir 30. Là. Donc. Ah, oh, mais c'est ça. Vous me dites qu'il est backup à Calgary. Ouais, ouais, mais c'est sûr. Non, mais je veux dire, ses stats, j'ai hâte de voir s'il va rester là-bas. Je sais pas, on dirait tout le temps que. C'est comme nébuleux de trouver une équipe tout le temps. Brandon Gogs, Gogs pour les Vancouver Canucks, Max Blue Et là, on va avoir une carte. J'ai halluciné, halluciné de quoi Ah oh, non, j'ai la OPG. Donc, Silver, j'ai hâte de voir c'est laquelle. Nicolas Hilaire, donc pour les Jets, c'est le nouveau. Marky Rookie, donc Silver pour l'ancien joueur euh, des. Euh, <coughs> il jouait dans le junior majeur, là. Si je me souviens bien. C'est fou là quand même, il était en troisième, ça veut dire. Donc, et Marky Rookie, Nicolas Hilaire, donc Silver. Pour toi, donc Alexandre Saint-Maurice, ça va bien, hein? je suis à présent pour toi. Donc quand même pas si pire, jusqu'à là, de ton brick. J'ai déjà, déjà vu du Winnipeg, pas mal pire que ça. Petite Daniel Sprong pour les pingouins Rookie. Donc la checklist. Miko Rantanen. Donc on a une Marky Rookie quand même de Rantanen. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir sa canvas aussi là, à Rantanen. Donc c'est quand même pas si peu. À moins qu'il l'ait mis dans la série 1. Mais non, je pense que dans la série 2, ils sont tous disponibles. Je pense qu'ils mettent toutes. Ils mettent toutes. Donc, Miro Rantanen. Une des bonnes recrues là, euh, De cette année-là. Mais je suis surpris d'abord, Merci. À passant. Hein. Et... Euh... Je Ça savais pas sous le radar que le gros attaquant mesure quoi ce ici. donc que le grand attaquant de... de Colorado était dans cette année là dans ces, dans ces, ces boîtes là je me souviens il y avait Anifin Theodore Théodore c'est Charlie Don ah, on aimerait ça un petit Charlie Don Maxime Mathieu Saint Maurice Antoine hein? Monkey Rookie. Oh, corner McDavid, croquette, On va partir une tonne juste parce que c'est lui là. Donc, McDavid, UD Portrait Rookie pour Mathieu Saint-Maurice. Your time is up, my time is now. C'est fou quand même qu'une UD Portrait là, qui passe tout le temps, man. Dans le vide, dans le bar, man. Le McDavid, il y en a même un petit podium. Hey. Donc, euh, avec David Rookie, il vaut vale une vingtaine de pièces voire une trentaine. Là. Mais là, en plus, il atteint les 100 points, là. Juste une Canvas Young Gun. Oh, nice! Canvas de Bobby Hall pour les Blackhawks de Chicago. Donc, très belle carte, en plus, là. Ça fit vraiment avec le vintage dans La photo. Donc, les Canvases, Wow! Chicago, ça, c'est le du Bay. Nice one! On n'avait pas eu venir You Can See, Me, c'est pour ça que je le mets souvent. Donc, Dylan Larkin, rookie. Ben, il y a Dylan Larkin qu'on peut avoir au canvas, j'imagine aussi, mais il était dans la série 1, lui, là Mais c'est ça, c'est dans la série 2 qu'il n'y a juste rien cette année-là. Monkey rookie de Antoine Bibo. Donc, pour les, les, euh, les Maple Leafs. Donc, Antoine Bibo, UD Portrait, Toronto, Serge Gagnon. C'est des bases, Il nous reste 6 paquets, si je ne me trompe pas, ou 8. Je pense qu'il nous en reste plus. Donc on essaye de trouver McDavid Canvas. On a trouvé la McDavid Portrait. Donc you, Rookie Portrait, là, on, est train de, on essaie de trouver sa Young Gun Canvas. Qui vaut une petite fortune. On peut essayer de trouver aussi la canvas là, de... Jack et Cole, tout simplement sa Young Gun normale à Jack et Cole, on peut la trouver. On l'a sorti deux fois jusqu'à présent chez Savage, c'est quand même un bon ratio. Et on pourrait peut-être la retrouver encore, je serais bien excité de voir ça. Et on a une Brock McGuin, McGwin, McGuin pour les Hurricanes, deuxième Young Gun. Donc pour les Hurricane dans ce break, give me a break, give me a break. Donc Detroit, Rock City, ma Serge Gagnon. une fois, une fois la Detroit, Une fois ça. Le gars le il y a de l'hôtel, il a au centre-ville, il là. mais cette rue là, vous tournez à droite. Là, si vous croisez quelqu'un, vous ne le regardez pas dans les yeux. On est tenté de sortir au centre-ville. Dionne Fanat, Fiori Canvas, avant qu'il prenne sa retraite. Lui, c'est dommage, hein? sa retraite a vraiment été pris là. a pété une balle, hein. Parce qu'il a quand même été bon, man. Mais c'est comme un genre de. C'est un peu dommage là. C'est un peu comme genre. Euh, C'était pas euh, le pogo le plus dégé de la boîte, puis il avait pas été être apprécié bien, bien dans la nationale. Y'a qui Virtanen pour les canards de Vancouver, Max Bouin. C'est parce qu'on est même pas assuré d'avoir une canvas Young Gun là, dans une boîte. Là. On va avoir une Young Gun ici, de Derek Forbot. Forbot pour les Kings de Los Angeles, et on parle de Félix Il Et a... là. J'espère qu'on va ressortir une petite chée. Là. Une petite chée Theodore, j'aimerais ça. Là. Je serais une... bien trop le cul de sortir une, une autre. J'aimerais ça, de sortir un autre ICO. Mais je rêve de sortir la Mec David Candice. Je rêve de sortir la Mec David Candice. Parce que elle est tellement chère. La Hobby, la Syrienne. Mettons la Syrienne Hobby. Là. Oh mon dieu. Là. Puis pour vrai, là, moi, je ne jetterais pas. Si j'achetais, c'est parce peut-être la case au complet puis qu'il soit scellé. Là. C est, c est... Donc Ian Cameron qui dit allez la machine sort du rêve. Make a dream, make a dream, I have a dream. In, in, in this dream, I have a McDavid, canvas, let's go, Young Gun. J'essaie vraiment. OPC, Radek Fasca, Marky Rookie pour Dallas. Il en reste -il une à trouver. École, celle-là. On a une autre, non Nathan McKinnon. On a une canvas. Oh, non, on a une Judy, une game, jersey pour Jeff Skinner. Et la Caroline, hein, donc lui il a commencé sa carrière là-bas, donc euh, Caroline ça va bien, hein? Caroline 3 cartes déjà dans, dans cette boîte-là, voilà, le scanner. combien il a fait de but finalement cette année lui? 4, hein? 5, hein? il nous reste 2 paquets, Deux paquets, only two package, de hey, 50 personnes qui nous regardent, c'est sûr, hein. Mais il nous reste la Black Diamond après. Là, je sais là, que le monde sont là pour le spectacle de la McDavid si jamais on la trouve. Il reste seulement deux hits, peut-être si on n'a pas de paquet de base vu que c'est le retail. C'est une Sergei Blonnikov. UD Portrait pour les Pingouins. Il nous reste... un hit s'il y en a un Checklist Ouh, Jack Eagle et Cole et Fookale ensemble, donc Buffalo, tu vas faire partie de deux deux, nice one, hein. on va partir la tour on va partir Miami Tain. Zachary Fookale et Jack et Young Gun Checklist donc euh, on part la tonne là. on part la tonne pour Jack et Goal, évidemment. Là. Donc ça va être Montréal, Mathieu Saint-Maurice, qui va combattre contre Vincent Rodrigue pour savoir qui va l'emporter. Donc on va la placer ici. Faut pas que je l'oublie. Et euh, le reste, c'est des baies. Sinon qu'on n'aura pas trouvé McDavid dans celle-là. Il nous reste des boîtes en passant au magasin. On va les ouvrir ici. On va finir par le trouver. You know? Donc, Black Diamond 2021, on s'en va là, dans, des, dans du gros stock, là. Dans du gros stock, est de cette année. Donc, let's go. Ça, on sait qu'on sait qu va avoir des hits dans celle-là. Qu'on est... Oh, c'est tic, en plus. Ouh! Hier, là, quand c'était tic-tic de même, c'était une Gemography. Donc, c'est Gemography sur 25, avec un diamant. Signature là, de M. Connery LeBuck, hier. Gros, 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 grosse carte. Et là, on va aller... Et on n'aura pas de Gemography parce qu'on n'a pas de noir. On n'a pas de noir. On va avoir une signature. Donc, on va aller voir notre pack, notre carte B ici. On parle de la merveille. La merveille Wayne Gretzky. Donc, la, la 68e sur 349 pour les Kings de Los Angeles. La merveille. Lui, son bureau en a du net adverse. Là. Il se passe partout. Ching, ching, ching. Donc, et voilà Wayne Gretzky. Félix Beauregard, comme j'ai dit tout à l'heure. Et là, je pense que ça, c'est la signature. C'est la signature. Donc, on va regarder en dessous. Maxime Les Donc, un jersey. Donc, exquisite. Donc, le, le logo de la Ligue nationale en chandail. Donc, la 39e, 38e sur 149 pour toi. Donc, un nouveau monsieur. Monsieur Derek Paradis. Donc, tout à l'heure. C'est une Young Gun, on a une exquisite. Quand même un bon break pour s'en hein. Donc, euh, on a du plaisir, c'est ce qu'il faut. Du plaisir. C'est bientôt ce que je veux. Donc, euh, Yann Coron qui dit des conneries. Hein Comme d'habitude, esti Winter Classic de Troy Brower Brower donc pour les capitals de Washington Xavier Desjardins Winter Classic Memories Black Diamond, Donc à l'époque c'était euh, en 2015 Donc euh, contre les Blackhawks Et c'est Troy Brower Brower Il jouait tough lui en plus hein. Je pense qu'il joue dans les Nationals, il a pris sa retraite je pense donc, on va enlever euh, la, la icône, on va placer celle-là. On va placer la icône ici pour que je l'oublie. Est-ce qu'on va en dessous 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 On va aller checker notre petit logo. Oh, nice patch ici, Ryan O'Reilly. Une, deux, trois couleurs jaune, rouge et bleu. Donc, team logo jumbo pour Ryan O'Reilly. Et on parle de Saint-Louis et Michael Barrett. Donc, Michael Barrett aussi qui n'est pas. qui euh, n'a pas, pas souvent participé avec nous. Donc, euh, nice one pour Saint-Louis. Grosse patch. Trois couleurs. Très belle en plus. Donc, euh, et voilà. On va aller en dessous. On va aller chercher. On va avoir une patch. Signature Toronto. Les Maple Leafs. Serge Gagnon, la 76e sur 99. La page de couleur bleu et blanc. Le NEO 37, le défenseur Timothy Delgren. Joel of the Draft. Nice carte. Donc... Non, non, non. Donc c'est pas été utilisé dans une partie, là. Il a, a c'est probablement lors du draft, il a porté un jersey. C'est ce jersey-là qu'ils ont utilisé. Donc Timothy Delgren, nice one pour Toronto Leafs Ok, donc, et voilà. Je suis désolé, les gars. Mais ça si on va enlever ça ici, on va mettre ça et corner Je pense qu'on va tasser, évidemment. Il reste une carte, une signature. Et c'est une gold. Donc, ça va être sur 99. Et on parle de Vincent Rodriguez-Jacques sur 25 exemplaires seulement la 21e, Deuxième e année. Hey, papy repent tout ça, nice, one! Nice, sur 25 exemplaires seulement, donc c'est vraiment pas beaucoup d'exemplaires de la 21e. Pour les Devils de New Jersey, deuxième année, Monsieur Jack Hughes! Et en plus, le collant, qu'ils l'ont mis comme il pour une des fois. Nice, nice, nice! See me, my time is now! Donc félicitations! Donc euh, à tout le monde qui a eu des cartes, à une prochaine fois pour les autres! Le jeu, le jeu des breaks, on est gagnant des fois, on est perdant. Mais des fois, on gagne des tabarnaks de grosses cartes. Donc, la Jack Hughes, 21 sur 25. La Timothée Lilgren sur 99 Auto Patch. Hey, la Wayne. La Patch, Rhino Riley. Exquisite, les tout neufs. No Young Gun Donc, Annie Finn. Forbot, McGinns, Domingue, gauche La Timothée Lilgren, Jersey. Va bien là pour Tonto. Misov. On a eu la Gretzky. Et hey, on a eu la Corner McDavid de UD Portrait Rookie Donc ça on aime ça La, Tro la Troy Ball Brower Donc Winter Classic 2015 Et on s'en va aller faire le tirage On va aller faire le tirage Savoir euh, qui va remporter Est-ce que Buffalo Vincent Rodrigue là Qui a deux spots avec Buffalo Hey boy boy Donc on va aller faire tirer ça tout de suite Et là les cartes qui veulent s'échapper qui ont failli tomber On va faire ça de même Poc 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 donc on s'en va là, on s'en va au random. On va faire un nouveau random. Et là on parle de Buffalo versus Ottawa. Checklist c'est deux. Buffalo. Ottawa. On branle ça combien de fois? 10 fois. Ça va sonner du B C'est-tu du B Ottawa? Je pense que oui Et bref, ça s'en va Ah, Ottawa Et Ottawa C'est Charles Bélanger C'est le même gars quasiment c est, c est, Ça c'est deux, 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 deux frères Deux frères De sens contraire Deux frères Deux frères Si quelqu'un qui sait de quoi je parle C'est vraiment drôle Si vous savez pas de quoi je parle Je comprends que ce soit pas drôle Mais c'est vraiment drôle pour vrai t'sais. Si vous comprenez pas C'est drôle ce que je viens de faire Ok, donc Buffalo Versus Montréal Checklist Série 2 15-16 Buffalo MTL Deux frères, deux frères de sens contraire Aye. Pour vrai là, les petites offres qui étaient dans cette émission là me faisaient peur moi J'avais peur de rencontrer du monde à l'école T'as quand même des, des boulis. là Des bouliers qui étaient là, t'as des assis de t'as des gangs de rue ils ont pris soin de prendre un black, ils ont pris soin de prendre un latino. Un petit gars à tête rasée, là, blanc, fâché. Le classique, là, le classique genre. Euh... C'était super stéréotypé. Là. Final round, ça s'en va à Buffalo et ça s'en va à notre ami euh, Vincent Rodrigue. Félicitations Vincent, c'est à toi. Donc, on se dit à bientôt tout le monde et merci d'avoir été là. Donc, euh... à bientôt. De sens contraire. C'est vraiment Marc Arcan. Marc Arcan, qui était le baume. qui a eu une scène où il était tout nu. Il que... était tout nu dans cette émission-là à un moment donné. On a vu sa kékette. j'avais genre 11 ans. Là. Ça fait quand de... Ça fait 12 ans. Là. Ou 13. Puis ça m'avait choqué parce que j'avais on, avait... on voyait pas ça à TV. Là. Le nuit, qui montrait même pas ça. Marc Arcan, kékette à l'heure, Calice. Ciao tout le monde. Merci d'avoir participé.